deux missionnaires, ça, couple missionnaires, ça, que gang armé était assassiné. On parle de Nathalie avec David Loy. Eh ben, cadavre arrivé dans Kansas City. Et il y a quelqu'un pour mener, yo, qu'on y a dans Missouri, côté que des mardis, donc demain mardi, après quelqu'un, funérailles. Donc, on était déjà gagné, et enterrement, et haïtien lui-même qui était fait en pays d'Haïti. Et qu'on y a deux coupes américains, coupes missionnaires américains, ils pourraient le faire, entièrement pourraient le faire. Demain, le cadavre, d'accord, nous dit déjà arrivé dans Kansas City, et ils pourraient le mener, qu'on y a dans Missouri pour funérailles là. Et puis, l'autre point dans l'actualité a toujours concernant le pays d'Haïti, gagné Premier ministre Gary Conné, qui, dans le moment, n'a pas là beaucoup installé vraiment, mais qui quand même descend dans la rue, pas descend dans la rue, non, mais qui font petit tour. Ils ont visite guidée avec Franz Elbe, qui est directeur général de la police nationale, là, en dedans, on blindé, pour être capable de passer au Saint-Honoré, Capois et l'autre encore. Et donc, le Premier ministre a commencé à mettre pied la terre, les gros paquets de dossiers que le gars pour la gérer. Nous connaissons que le gars pour le travail avec le conseil présidentiel de transition. Ensemble, ils pourraient former un cabinet. Et donc, et question sécurité à CELIC numéro 1. En attendant que yo accueilli force multinationale là qui gagne en tête le Kenya, donc grand pile arrangement qui continue à faire. Donc Gary Conné, c'est comme ça et ça y est. En nous entrer dans l'actualité internationale là. Dans l'actualité internationale là, son actualité qui mène nous d'abord en Amérique latine avec gros victoire candidat gauchiste Claudia Sheinbaum qui remportait l'élection présidentielle hier. Donc, depuis avant l'élection, même, tu connais que ce sont fils ta président, parce que, eh ben, tout sondage t'a montré que deux mesdames, ça y est, en parlant de Claudia Sheinbaum, et puis avec l'autre Chaussy Galvez, eh ben, ils ont tous les deux été devant dans le sondage. Donc, finalement, c'est ancien magistrat Mexique, là, qui sortit, c'est un indigène Maya, qui lui-même remporté la victoire. Il pourra le remplacer, ça nous t'a relé, Metoli, professeur, leader, en parlant de Andrés Manuel López Obrador, qui est très populaire, qui a quitté le pouvoir avec toute gros popularité, et qu'on y a ces Dauphine qui a remplacé. Si on dit que c'était une élection qui est absolument spéciale, parce que tu as pile sang qui coulait dans l'élection, tu as pile violence dans l'élection présidentielle mexicaine, et déjà, il y a une réaction qui sortit un peu partout, surtout dans le pays gauche. Sur, par exemple, il y a Bolivie avec Luis Arce qui a dit compliment. Il y a Gustavo Petro, Colombie, qui fait compliment tout. Nicolas Maduro, de Venezuela, gauchiste, même genre tout. Miguel Díaz-Canel, qui est président de Cuba, eh bien, il y a même tout. Il y a présenté félicitations. Bye. Et Madame Claudia Sheinbaum. Sheinbaum, c'est. Et son monde qui a fait l'histoire parce que ça a 200 ans depuis le Mexique pas gagné, ils ont pas dirigé par un fils. Et c'est un rare pays dans l'Amérique latine tout qui pas dirigé par un fils parce qu'ils ont pas quatre autres pays dans l'Amérique latine qui dirigé par un fils. Et là-dedans, nous mettons Haïti avec Erta Pascal Trouillot. Et puis l'autre pays encore gagné et gagné Argentine. Gagne le Brésil, gagne Bolivie, Chili, Guyane, Nicaragua, Salvador, Panama, Costa Rica. Et n'a pas rappelé tout dans le Mexique, te gagne un problème de qui leur famille te gagne droit de vote. Il faut remonter à 1953 pour te joindre droit de vote pour mesdames dans le Mexique. Donc, Madame Sheinbaum dit que il te prend la parole après victoire que l'y remporté. Elle dit que l'y promet que l'y pape décevoir peuple mexicain qui jodi a fait confiance pour diriger le pays Mexique. C'est une élection que Haïti a en pile pour le avec, parce que gon large communauté haïtienne qui vit au Mexique. Et puis surtout que c'est un pays qui joue un rôle charnière dans la question immigration. Et il y a une question qui toujours vient sous tapis, lors de parler de politique dans le pays Mexique, c'est relation que vous avez avec le grand voisin en parlant avec les États-Unis. Et à cause de frontières que deux pays ça a partagé, il y a toujours une discussion à faire sur qui gens pour être capable d'améliorer problème crise migratoire qui gagne sous frontières. Nous, dernièrement, là, tu as gagné secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui lui-même t'a fait une visite l'autre bois dans un sommet sous immigration. Donc, ça, c'est assez important. Et de vous dire immigration,
haïtien tout la donne. Donc ça veut dire que haïtien non seulement nous gagne étudiant l'autre bois, nous gagne yo gagne ressortissant haïtien l'autre bois, et puis tout son question sont point immigration. Donc ça veut dire son élection qui te gagne et valeur tout pour pays d'Haïti. En nous l'autre point encore dans actualité à qui pas Haïti, et nous connaît depuis semaine dernière là, et ben nous connaît que gagne et ancien président Donald Trump lui-même qui est condamné, c'est un jury qui condamné pour 34 chefs d'accusation qui gagne rapport avec falsification cahier comptable. C'est une histoire avec Stormy Daniels et vedette porno ça que il était bail $130,000 en 2016 les campagnes électorales campagne présidentielle a été faite le ancien président Donald Trump était en face Hillary Clinton. Donc il était payé même $130,000 pour pas mettre bagage ça dehors. Et finalement ça qui passé c'est que ancien et ami et puis ancien avocat Donald Trump en parlant de Michael Cohen était bail Stormy Daniels $130,000. Et après ça, eh ben t'as gagné magouille qui t'a semblé faite pour, eh ben monsieur t'es capable de récupérer l'argent. Et il dit son fraude fiscale, son fraude qui gagne, son fraude non seulement pas fraude fiscale, mais fraude qui gagne rapport avec élection aux États-Unis. Donc qu'on y a, et ancien président a obtenu sentence là le 11 juillet a obtenu sentence pour qu'on ait qui ça qu'il a fait avec décision que 12 membres jury ont fait. Mais c'est pas seulement bon côté républicain que bagala entier mêlé et que ça a un impact sur élection tout, mais spécial nous qui ça dans spécialiste qui a dit nous qui type de impact que condamnation ça capable gain. Mais ça qui retenu c'est que monsieur Donald Trump font paquet l'argent après que les jeunes condamnations. Donc l'autre aspect nous gagne démocrate là c'est Hunter Biden. Hunter Biden c'est petit président démocrate là Joe Biden. Monsieur Jodi à la monsieur gagne pour paraître devant un tribunal pour détention zam illégale et puis toute l'autre chef d'accusation qui est retenu contre lui. Donc ça on est déjà capable de déranger campagne présidentielle papale même Jean tout et ben condamnation qui fait dans New York là capable de déranger et situation et campagne présidentielle et Donald Trump. Il y a l'autre bagaille qui a dérangé et qui est capable de déranger président Joe Biden encore selon spécialiste, c'est question position par rapport à Israël dans la guerre Israël Hamas là. Et dans le moment on a parlé là gain président Joe Biden qui présentait un plan que premier ministre Benjamin Netanyahu dit son plan partiel que président Joe Biden présentait, il a regardé pour les otages non cesser le feu. Et mais nous connaît Israël lui-même, Israël dit lui-même, il voulait finir avec question et groupe Hamas pour pas jamais représenter une menace après attaque qui était faite 7 octobre 2023. Et ben on dit que pour ça pas jamais fait encore dans l'histoire, c'est ça Benjamin Netanyahu dit. Mais en attendant, et ben il y a attaque qui fait encore dans le moment on a parlé la attaque qui fait contre Rafah, contre Gaza. Donc et l'armée israélienne continue à frapper du. Donc l'autre point encore que nous capables de signaler et pour vous, c'est la question et sport. Et donc fanatique monde qui fanatique Real Madrid, on va connait non yo, on va connait figure, et ben yo même yo aux anges après que yo remporté 15e Ligue Champions yo devant Dortmund dans stade. Les gens qui aiment le football, pas parler de stade de Wembley, non, ils parlent de temple Wembley, parce que c'est tellement son stade mythique, je ne sais pas si c'est mystique, non, mais son stade mythique, c'est le grand rendez-vous, pour pas qu'être gros rendez-vous sport, et bien, qui fait là, et bien, c'était finale Ligue Champion, et bien, 2-0, Real Madrid, Calais et Dortmund. Il y a des gens qui ont des inquiétudes, parce que Dortmund, c'est toujours été, il était quand même si. Il n'a pas fait un pile en Bundesliga, mais il était en équipe allemande, toujours été en équipe coriace. Donc, mais avec Carlo Ancelotti, il dit c'est l'homme des grands rendez-vous. L'homme de pour quitter Real, ou arriver dans la phase avec Real, ou dans le problème. Donc, Real Calais, Dortmund 2-0. Dani Carvajal fait premier goal là, un superbe coup de tête. Belle bagaille, après on connaît. Et puis Vinicius, encore lui. Eh bien, monsieur lui-même, les Corée victoire dans
zone 83e minute de jeu. L'autre nouvelle sous sport encore, c'est un feuilleton, eh ben c'est Kylian Mbappé. Et il y a possibilité pour présenter Kylian Mbappé et jodi a comme nouveau joueur Real Madrid. Son équipe Real qui déjà bien chita, bien huilé, on a dit en français, qui côté on va le mettre Mbappé. Donc c'est la grande question avec qui numéro, ben Toni Kroos Aleto et c'est chapeau devant Toni Kroos, un gros joueur de football, monsieur pas gain scandale dans la ville, monsieur correct, monsieur et tout spécialiste d'accord que c'était un gros joueur, bien que normalement monsieur était doit signer avec et Barcelone, mais finalement ça avec réalité dit, il dit Real Madrid, il gagne un peu de reconnaissance pour Real Madrid qui permet que eh ben il était un paquet de bagages comme talent comme joueur de football, eh ben c'est Real Madrid qui permet que il mettait l'heure nous saluer Toni Kroos. Donc en nous retourner sur Mbappé. Mbappé qui était annoncé depuis 10 mai que eh ben c'est fini, il quittait Paris Saint-Germain, mais il tape tant pour te ouais et qui le pour te faire annonce ça, mais et officiellement jodia Mbappé t'a supposé officiellement jouer Real Madrid. Faut dire tout gain Coupe d'Europe là tout et qui Mbappé nous t'es wel dans Clairefontaine qui t'a entraîné avec tout nous t'es wel avec Griezmann, avec Didier Deschamps et l'autre monsieur yo et faut dire madrilène pour côté rejoindre et Clairefontaine parce que t'es gain pour jouer finale là samedi. Donc tout pour aller là, mais Kylian Mbappé jodi a t'a supposé présenter, mais d'après nouvelle qui vient joindre nous gagnent yo a font a préparé une cérémonie spéciale pour Mbappé pour premier apparition et notre profil monument en général. C'est pas seulement jouer, non, mais dans pile l'argent qu'on va faire tout, il y a question de maillot, il y a question de cop, il y a question ici, et ben pour être capable de faire comme là et entrer même pour venir garder à son l'autre causé, il dit monsieur Gantan gen kay tout et selon yon petit sous tout petit qui dit dans oreille, et ben t'as semblé que Mbappé acheté kay Gareth Bale là, Gareth Bale qui t'a joué dans et Real Madrid tout, t'as semblé que monsieur Gantan acheté kay là. Donc monsieur a prangé chital nan Madrid. Et puis nous capable signaler tout 20 juin c'est Copa América, eh ben haïtien toujours un feeling spécial pour Copa América. Donc et tout ça c'est des grands rendez-vous que nous gagnons. Nous gagnons et Coupe d'Europe des Nations, nous gagnons Copa América. Donc pratiquement nous sommes gâtés, monde qui aime le football, eh ben yo gâté. Donc en gros c'est ça nous gagnons pour dans live tout soir. Merci pour attention, merci pour fidélité. Eh ben n'a pas cassé rendez-vous, gagnons l'autre rendez-vous pita. A une fille qui va diriger et Mexique pour la première fois. Et c'est parti qui sous pouvoir, c'est lui qui remporte l'élection. Et non candidat, c'est madame Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, c'est le représentant des partis. En tout cas, nous t'avons annoncé ça vendredi. Je dis qu'il y a plus de possibilité, c'est une femme qui va diriger Mexique. Parce que tendance électorale, ou bien encore tendance, vote là, t'es montré que t'es deux fictés dans tes sondages, t'es un garçon tout, mais garçon pas rien, monsieur finit en troisième position, et c'est candidat, parti qui se pouvoir, c'est lui qui se voit d'après dernier résultat, ou bien résultat préliminaire. Donc, en tout cas, mademoiselle, déjà, pour continuer à voir que le fait, l'idée à son victoire, la valasse, que lui remporter une élection, et le promettre pour le travail, pour l'améliorer, conditions, population. Dans l'autre nouvelle, une nouvelle sur l'immigration pour nous, mais nous l'en fait. En tout cas, le premier ministre haïtien, en fait, le premier ministre désigné haïtien, Gary Conny, dit en Haïti, il trouve en Haïti depuis samedi. C'est le premier ministre intérimaire qui t'a accueilli. En tout cas, il promet pour former un gouvernement largement large, qui a une représentation, mais il dit son gouvernement jeune. Et qui a là-dedans parce que moyenne d'âge jeunesse haïtien c'est entre 23 et 25 ans. Donc les élections jeunes côté que le pralice, ouais, s'il a gagné, mais les gens qui techniques qui connaît et qui est capable de GPA, c'est les gens qui va le mettre, mais la PC mette tout représentant parti politique qui est représentant en dedans et conseil présidentiel et provisoire là, ou bien intérimaire. Mais conseil présidentiel transition. Donc c'est Moun Sayo qui va faire partie avec eux. Donc déjà, hier encore, le Premier ministre a fait une tournée
dans quelques quartiers dans la capitale, la police ouais, ta situation et d'après ça, il dit que son bac est déplorable. C'est que qui t'a parlé, c'est bon discours qu'il t'a prononcé, et une situation vraiment triste. Mais le problème, c'est qu'il est mesure capable d'améliorer la situation, la population. Mais il n'y a pas grand pile temps devant lui, il dit l'objectif, c'est peut-être faire de haut que le conseil a gagné, c'est lui pour chercher ou exécuter. Moi, il a fait passer maintenant la constitution et a gagné tout. Et amendement de constitution a gagné tout. Et ils sont capables de gagner tout, ils ont débat national, ils ont confiance nationale, et puis les élections. Donc, ils disent que les conditions de sécurité doivent améliorer pour que soient capables de gagner l'élection dans le pays dans l'heure qui est fixée, parce que le 7 février 2026, nous avons un nouveau dirigeant, et ils disent qu'ils peuvent travailler tout pour que toute institution démocratique, tant qu'au Parlement, mais toute institution démocratique, et en place dans le moment ça, y compris la présidence, qui a dû prêter un nouveau serment le 7 février. Ça n'a pas été pour nous garder, pour nous est-ce que tout va marcher, les gens que vous souhaitez. Dans l'autre point encore qui est dans l'actualité, les gangs ont tout le temps dit que, d'après le monde qui parlait, ils dit que les gangs ont diminué l'activité. Mais ça veut dire qu'ils ont déposé des armes pour ça, ils continuent à opérer, mais ils ont limité l'action qui ont posé. Bon, diminution qui est faite parce que dans le moment, ça, il y a un président Kenya, William Ruto, qui parlait et qui dit lui-même, et il confirme, on le fait encore, que le pays, Kenya, a pris cette mission sécurité qui peut aller en Haïti pour aller aider la police nationale. Bon, il y a des paroles de département qui parlent, il y a des fois qui disent que c'est Kenya qui parle bataille avec Gangyo, il y a des fois qui disent non, Kenya qui parle accompagner la police nationale, c'est la police qui parle bataille avec Gangyo, Kenya a placé seulement pour l'assister, pour l'aider, la parole entraîne la police nationale. Il y a des fois qui disent que Kenya même qui parle gouma avec Gangyo. Donc jusqu'à présent, personne ne connaît exactement qui bon nous y est, mais l'essentiel, Kenya a pris tête force police nationale, sa force et police et multinationale ça qui pourrait aller en Haïti qui l'a pour aller, il était dit c'est dans 3 semaines, donc pratiquement il dit dans le mois de juin. Donc d'ici fin mois de juin, pour force police ça t'a dû sous place. Et il y a un autre grand point qui gagne encore, et la police de Miami a arrêté 13 monde. 13 monde qui semblaient être pour eux dans vendre et acheter des armes pour aller en Haïti ou bien pour voyer en Haïti. Donc la police dans Miami, dans Floride, mettait mes sous M. Sayo. Donc M. Sayo, pour qu'on y ait là, il y a une question là, c'est d'après les dernières nouvelles qui sortit et sur grand point qui est censé à pays dominer l'actualité. Et puis nous prenons le dos et nous sommes sur l'immigration. En tout cas, il y a une chaîne de télévision américaine qui a annoncé, en fait, nous avons une nouvelle là, mais nous n'avons pas eu trop de détails. En fait, il a annoncé que l'administration Biden a annoncé au plus tard dès mardi 4 juin, nouvelles mesures que la prend, ça va prendre ça, il y a un décret exécutif, justement pour l'annoncer que nouvelles mesures la prend pour les gens qui viennent chercher asile aux États-Unis en utilisant la frontière. Les gens qui vont passer sous frontière pour venir demander asile aux États-Unis, eh bien, ils prennent des mesures que après l'annoncer, justement pour serrer le boulon. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de monde depuis que les ports d'entrée, les 9 ou bien 8 ports d'entrée qui sont sous frontière États-Unis avec Mexique, là, depuis qu'ils viennent chiffre ça, et bien, tout l'autre monde qui prend, et bien, il y a des portes. D'abord, ce chiffre-là, c'est d'après ça qui est dit, ou bien les gens qui sont au courant du dossier, et les nouvelles qui sont publiées dans la presse américaine, ce chiffre-là, c'est 2500. Depuis non, 11 jours, il y a 2500 personnes qui viennent sur frontière, qui viennent demander asile. De chiffre qu'en plus là, et bien, monde ça, il y a un choix à déporter, à retourner, refouler au Mexique, ou bien à déporter dans le pays d'origine. Je me dis bien dit dans le pays d'origine, parce que ce n'est pas seulement Haïtien qui sont à la capitaine, qui peut vous demander asile aux États-Unis, il y a une autre nationalité qui se tient dans l'Amérique latine, là, et avec même l'autre côté, que ce soit en Afrique, en Asie, et qui peut vous demander asile sur frontière. Donc, depuis ce chiffre là, il est dépassé. Pour qu'on y ait eu des chiffres là, 1500. Mais depuis ce chiffre là, il est dépassé 2500. Et bien, porte la ferme, joue ça. Et tout surplus qui vient, je parle de toutes les frontières. Tout surplus qui vient, et bien, mon chien a pris yo, et a retourné. Soit dans le pays d'origine, yo, ou bien, il a refoulé au Mexique. Ça veut dire exactement. Ou même qui a regardé là, ou même qui a attendu là, qui a un monde,
qui sont sous frontière et qui besoin de demander asile aux États-Unis. Oui, jusqu'à présent, l'administration est d'accord que le monde est capable de demander asile. Mais au cas de venir, c'est seulement sous rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous. Aller dans le CBP One, prendre rendez-vous et là, vous venez sous frontière, vous venez présenter dossier pour demander asile. Mais si vous venez illégalement, vous venez au marché, vous venez traverser en bas fil, eh bien, vous mettez sous, eh bien, laissez ça ou pas, mais le monde qui cherche à entrer sous frontière illégalement. Eh bien, on sort qu'ils réservé avant, il y a eu tout faux dans le pays, il y a eu tout sous parmi les 2500 pour journée, hein, et il y a eu refoulé aussi, ou pas gagné un cas qui assez, et, on a dit un cas qui vraiment, ou gagné assez d'arguments pour convaincre, et, garde frontalière là, que ou gagné raison, puis au Brésil, eh bien, laisse ça, il a décidé soit de retourner dans le pays, ou bien, il y a eu au Mexique encore. Ça, c'est comme ça, lié. Donc, nous, à partir de mardi, ou bien, de mardi, l'administration va faire annonce ça, et son annonce que, il a assuré que, vraiment, qu'il va annoncer une grosse mesure que l'administration va prendre, parce que, vu que, président Biden, bah, président Trump, ancien président Donald Trump, lui-même, il était ferme sur la question ça, il était grand exécutivité par côté, que pas de bâle, une chance pour devenir même demander asile sous frontière. Mais, qu'on y a l'administration pour une mesure, il dit, c'est tout à fait nouveau, et son mesure qui va serrer boulon, et les gens qui viennent demander asile sur la frontière, mais au moins une limite à quand c'est les gens qui viennent chaque jour, c'est 2500. Depuis qu'on dépasse ces chiffres-là, et bien on parle là-dedans et c'est grave pour l'autre jour. Mais si vous prenez rendez-vous, vous venez, sont l'autre causé, il faut qu'il y ait un argument assez prudent. Cependant, mais juste ça, il n'est pas affecté, il n'est pas affecté ou bien pas concerné mineur. C'est-à-dire mineur ou mineur qui vit sur la frontière, mineur, mais c'est que son type qui a moins que 18 ans, qui vit sur la frontière, eh bien, il n'y a pas compté dans le monde que il est capable de fouler, mais un mineur qui vient, il vient demander asile, eh bien, puisque le pagain avait le parent, le maman, le papa, par exemple, eh bien, mineur ça, et il y a une autre considération pour le faire sur lui. Cependant, les militants qui ont défendu les droits immigrants, eh bien, ils ont exprimé l'inquiétude tout pour la décision ça. Ils ont exprimé l'inquiétude parce qu'ils ont dit que une décision comme ça, ou bien encore, le fait qu'ils font une exemption pour les mineurs, eh bien, ça capable. Attendez, ça capable d'encourager les parents, yo, maman, papa, pour vous étudier sur la frontière sans yo pas accompagner avec la famille, yo, qui sont en risque parce que vous apprenez que grand pile petit monde qui vient sur la frontière sans pas avoir famille avec yo, sans yo pas avoir maman ou bien papa avec yo, et bien, petit monde ça, yo, yo pas même qu'à jouer yo même parce que vous avez un côté. Yo. Donc, Mexique assez grand, et gagné dernièrement, et Galine Joseph, responsable Haitian Bridge Alliance, qui est basé dans San Diego, Californie, qui t'a parlé avec, mais qui t'a expliqué l'inquiétude, même, il y a en tant que monde qui a défendu les migrants pour tout le monde, ça, il y a là, donc, qui disparaît de même grand côté, et il y a donc, il dit, il y a trois dangers, Mexique, trois dangers, il y a là, qui, il y a même quand ils vivent toujours. Donc, il n'y a pas encouragé par un peu faire ça, et il dit, en telle mesure, tout, il n'y a pas encouragé par un peu pour tout le monde, il demande d'asile, tu fais ça, sans que, pour contre. Donc, son risque lié. Concernant les mesures que l'immigration que l'administration a annoncé pour lui, serrer boulon, ben encore limiter la quantité de gens qui ont demandé asile sur la frontière, militants qui ont défendu les immigrants, tout bien qu'ils souhaitent. Parce que je dis tout simplement, ça capable. Et parce que grand pile monde qui quitte le pays, yo, parce que situation. Pas seulement pour la situation économique, mais problèmes politiques et crimes qui ont augmenté dans le pays, permettent que le pays n'a pas offert la sécurité. Donc, c'est ça fait qu'on a cherché un refuge de l'autre côté pour être capable de protéger la tête. Donc, les militants n'ont pas fin trop d'accord avec la décision que l'administration a annoncé. Cependant, samedi, ça nous dit aujourd'hui, il y a des possibilités, étant donné que le POCO officiel, il y a des possibilités pour qu'il y ait un changement à la loi, une modification dans l'annonçant, mais l'annonçant, il y a quand même une quantité limitée que l'administration prend l'urgence cérébrale, parce qu'actuellement, quand il y a des gens qui ont venu sur le terrain, il n'y a pas rien, donc quand il y a des gens qui doivent venir, mais il dit que, assurez que si vous voulez présenter, pour venir demander asile, politique ou bien asile sous frontière États-Unis partagé avec Mexique là, eh bien assure que ou bien y a un rendez-vous de préférence. Allez dans CBP One, prends rendez-vous et puis assure que vous allez dans rendez-vous jour et date et l'heure rendez-vous ça, ou allez dans rendez-vous et ou allez présenter dossier ou capable bien chance qui te rentrer
Et là, on peut rentrer, on a bien un an pour ou aller devant un juge, devant un juge immigration, devant un juge immigration, ou un juge asile. Et quand on va présenter ce dossier-là, il va prendre une dernière décision sur le dossier pour là. Donc c'est la nuit, mais à partir de demain, éventuellement mercredi, on va retourner sur le dossier ça avant encore, on va apporter plus de détails. Ça nous va là, son bail qui sont fuites, et parce que magistrat dans la ville frontalière, eh bien, il y a quatre là-dedans. Il y a un magistrat la Ridoa, il y a un magistrat, et il y a un magistrat, en fait, il y a quatre magistrats pratiquement. Qui est le magistrat Brownsville, qui le magistrat McAllen, Texas, en tout cas, il y a quatre magistrats pratiquement qui disent qu'ils recevront la maison Blanche-Terre-Léo depuis samedi pour être invités, puis ils viennent rencontrer la cap de la maison Blanche demain mardi, donc mardi 4 juin. Et très certainement, c'est annonce immigration ça. Étant donné que c'est parti concerné, parce que c'est eux-mêmes qui recevront chalet. Quand les migrants qui ont vidé la caillou, parce que eux-mêmes tout, les migrants arrivent à la caillou, des dépenses qu'ils ont fait. Donc, la maison m'a invité. Donc, au moins à partir de là, nous avons une certification, un barrage qui pourra le faire. Et il y a une chaîne de télévision américaine qui a annoncé exactement les détails que nous avons là sur l'imitation quand c'est monde qui parle. Donc, au moins il y a quatre magistrats dans la ville frontalière du Mexique qui confirmé effectivement qu'ils recevront l'invitation pour venir dans la Maison Blanche. Pour devenir attendre des nouvelles ça que et la maison ça a pas annoncé surtout soit fait immigration. On doit arrêter brancher sur la voie de l'Amérique, visiter toutes les plateformes nous, je sais pour qu'on exactement mesure à partir ou même sur frontière, ou sont haïtiens, et bien arrêter attendre nous, arrêter suivre nous et bien on va dire exactement qui soit qu'à faire. Mais pour qu'on y a mesure pas empêcher que ou aller sur frontière demander asile. Cependant, ou pas qu'à présenter comme ça sans rendez-vous. Nous pas qu'à ni essayer à passer dans la rivière, à traverser la rivière Rio Bravo pour aller traverser l'autre bois sans plutôt que ou prendre rendez-vous, aller à un port qui est disponible et puis là on va présenter de cela. Et puis je dis à moi là quand même comme nous cababoué machine ça va passer d'elle dans quatre bruit là. Et puis donc je dis à moi m'appelle sur le dossier Israël avec Hamas, avec l'administration américaine qui présentait un plan de pour réduire la guerre et puis mettre fin à la guerre. Son plan d'abord, il y a une discussion sur lui, Hamas pas un problème pour lui, avant il n'y a pas un problème pour lui d'accord plan. Mais Israël il dit oui, il y a d'accord plan, mais il faut que Hamas pas diriger le territoire Gaza pendant que lui-même il sous et plan dit en exécution. Son plan en trois phases que la Maison Blanche, que le président Joe Biden a annoncé vendredi 31 mai, en tout cas, monsieur, pour les conditions quand même, mais et Israël, dans la dernière déclaration que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu fait aujourd'hui, il dit lui-même, plan par la guerre là-dedans. Pour réduire le plan ça, il faut que d'abord détruire Hamas, pour Hamas par représentant une menace pour Israël, et puis pour le mettre fin à la guerre, pour le faire retirer tout le monde, mais de détruire Hamas, totalement pour Hamas, pas représenter aucun rien pour lui. Et c'est le ça seulement si elle est ça lui-même qui a fait la guerre, mais Hamas pas de représenter un plan pour lui. Donc voilà, c'est comme ça est. Et puis, il y a un gentil Augustin qui était certainement pas parlé de l'élection Mexique là, quand il y a pour la première fois par le conflit président Mexique. Le nom lui c'est Claudia Sheinbaum. C'est toujours le même parti qui est sous pouvoir, parti et président sortant. On a parlé de Manuel López Obrador, c'est lui-même qui est parti là, qui a emporté la victoire encore. Donc son élection tout, il y a du qui, côté que, et pour PPT, il y a près de 22 candidats qui mourent pendant la campagne électorale là. Donc c'est une élection qui est plus sanglante en termes de victimes parmi les candidats. Et puis pour la première fois tout, le Mexique a marqué l'histoire. Et quand on fait pas diriger, et certainement, il y a l'autre pays qui a gardé ça, qui a dit, oh, qui est nous, aux États-Unis par exemple, qui est au fond pour le président, à président des États-Unis un jour. Voilà. Et ça me dégage pour nous. Donc, je salue nous depuis Hayesville, État Maryland. Je dis nous, gros bonsoir. Restez branchés et suivez le programme Service Cœur Lava d'Amérique, là, toute plateforme nous, et très certain pour qu'on ait ça qui a passé, non seulement en Haïti, mais qu'on ait tout ça qui a passé dans le monde, et y compris les États-Unis, pas oublier pour celle de président Donald Trump, là, côté, ni président Donald Trump, ni ancien président Donald Trump, ni président Joe Biden, eh bien, ils ont tous les deux à capitaliser, tous les deux utiliser pour celle de Donald Trump, juste pour y avoir essayé de râler, surtout, l'administration Biden pour essayer de râler,
quelques électeurs indépendants ou bien quelques électeurs républicains qui semblaient pas d'accord avec l'ancien président Donald Trump ou bien qui en faveur et sans, en faveur et culpabilité et que jury a joué non, et bien l'administration Biden aussi il t'a carré quelques électeurs ça tout comme tout ancien président président Donald Trump lui-même l'a cherché ouais dans qui mesure lui-même est capable Kembe électeurs avec mais il dit si vous voulez en prison parlez nous il parle il dit pas que problème si vous voulez en prison mais il dit que le 11 juillet c'est date que l'a présenté devant retourner devant tribunal la cour n'est pas attendre sentence li et ça dépend de décision juge là ça dépend de expert parler il y a monde qui dit que il est capable seulement bali une amende faire payer une amende parce que bon dossier monsieur pas commettre aucun crime, les premières fois, il y a ça. First time offender, c'est la première fois, monsieur commet un crime. Et donc, il y a capable de prendre ça en considération. Et il y a capable de payer une amende, il y a capable de. Et pour bon, je dis ça, faire ballon en période probatoire, sur la probation. C'est-à-dire que s'il était en dehors de problème, il y a président, ancien président qui est quoi l'autre pour c'est encore capitaine toujours. Donc, c'est. Rité pour nous garder, mais ça va passer. Mais première décision à la prendre le 11 juillet, c'est quelques jours avant même la convention parti républicain qui va désigner Donald Trump comme candidat à parti républicain pour l'élection présidentielle 2024 et ça va passer dans Milwaukee. Donc tout dépend, on va voir est-ce que la quelle décision le juge va prendre. Mais ils disent que ça, pour ça, accusé là, dans New York, c'est pas un gros crime. Donc, il y a un peu de considération que le juge a fait et dans la décision qu'il a pris pour moi. Mais tout comme tout, il est capable de voir la prison. Tout. Et si vous voulez la prison, il est capable de retarder lui. Parce que le deal pour aller en appel quand même. Donc, aller en appel là, son processus qui va prendre temps. Peut-être les élections capables de même dérouler en novembre 2024. Si l'électeur vote comme président, la question qui est toujours posée, c'est qui ça va passer. Voilà que l'électeur vote au président. Qui est en prison, est-ce que la justice peut. Parce que nous avons un nouveau territoire, nous avons un nouveau territoire, bah, ça pour que j'en arrive. Donc, tout le monde a ces questions, tout le monde a posé. Qui est-ce qui va faire? Et pas quand même l'histoire, dans l'histoire, pas qu'à servir à ça comme référence, pour dire, mais ça qui va passer tel là, il n'y a pas qu'à faire servir avec elle. Donc, comme il n'y a pas qu'à servir avec elle, donc, son nouveau. Donc, c'est, il va regarder pour si le président est en prison, est-ce qu'il va prendre en prison, faire le vin, c'est le mandat, et puis après,